Gianni Infantino, blanchi par la commission d'éthique de la FIFA. Cette dernière a estimé ce vendredi que le président de la FIFA n'a pas violé le code d'éthique de l'instance et a décidé de mettre un terme aux investigations portant sur les vols d'avions effectués par l'Italo-Suisse ainsi qu'un différend d'ordre contractuel entre lui et la FIFA. Réagissant à cette décision, Gianni Infantino, qui a succédé à Sepp Blatter à la tête de la FIFA le 26 février 2016, s'est dit heureux pour ce dénouement. Un dénouement rendu possible grâce à un nouvel examen approfondi de son cas par la Chambre d'investigation de la Commission d'éthique indépendante. Il a également remercié tous ceux qui ont collaboré avec la Commission d'éthique pour faire éclater la vérité.